France Bleu Roussillon. Elle ne s'appelle pas Michel, mais je suis sûr qu'elle doit aimer les poèmes quand on les lui écrit. Elle s'appelle Dany. Bonjour. Bonjour. Dany, vous êtes sur Céré. Oui. Capitale du Val-Espire, pour ceux qui ne connaissent pas, pays de la cerise, entre autres, et d'un lieu absolument divin. D'ailleurs, c'est divin, votre établissement, c'est bien ça, Dany? Tout à fait, c'est le Maradin, c'est divin. Voilà, divin, alors divin, bien sûr, et puis divin, D-Y-V-I-N, avec modération, puisqu'on est à la radio, on ne peut pas faire autrement. Et dans ce lieu ô combien sympathique, avec belle terrasse ombragée, etc., vous organisez tous les week-ends pas mal de manifestations. C'était l'occasion de pourquoi pas, proposer une idée de sortie pour venir vous rendre visite. Vendredi et samedi, on commence par vendredi. Banda, son programme? Oui, alors pour commencer, on aura la bande des compagnons de Céré qui seront là à partir de 6h30 pour faire l'apéro, qui seront suivis des Gadjo Lolo. Et ensuite, pour continuer la soirée, nous aurons le DJ Cresson pour faire une fiesta de folie. Ouais. Et pour pouvoir nous nourrir, nous faisons venir le Christophe de la casotte de la Forge de Reynès qui nous préparera des sandwichs avec des criades, frites. Voilà, c'est juste au-dessus, hein, la Forge de Reynès, c'est juste au-dessus de Céré, du côté d'Arles. Et donc, c'est l'occasion de manger local, ciel puis court, avec des groupes d'ici, un DJ d'ici et une fiesta comme on sait la faire ici dans le sud, Dany. Exactement. Grande bodega garantie avec une très bonne ambiance. Bon, ça c'est pour vendredi et samedi. Alors samedi, nous faisons venir donc pour l'apéro, toujours pareil, une banda de Mias qui s'appelle des Canaillous. Oui, célèbre canaillou de Mias. Voilà, qui feront une bonne ambiance aussi au moment de l'apéro. Et pour suivre DJ Cresson, pareil, qui organisera tout ce qui est musical, soirée festive. Et pour accompagner tout ça, nous allons faire venir pareil Christophe donc de la casotte de la Forge Reynès, qui nous préparera une grosse parilla. Eh ben voilà, ça changera un petit peu de la veille. Tout à fait. On essaie de faire diversifier un petit peu. Et on reste dans la couleur locale, bien sûr, avec des produits locaux, de la musique d'ici, une ambiance d'ici. Pourquoi pas, si vous êtes en vacances, quitter votre plage et aller du côté de Céré. C'est l'occasion d'aller y passer la journée, découvrir notamment la place des 9G. Il y a plein de belles choses à l'ombre des platanes. Vous régaler. Et puis, en soirée, rejoindre Dany. C'est divin. D-Y-V-I-N pour, bien sûr, le vin avec modération. C'est à Céré. Où exactement, Dany? Alors, on est sur la départementale 115, entre Saint-Jean-Pas-de-Corps et Céré, en fait. C'est fastoche. Complètement. C'est-à-dire, quand on vient de Perpignan, on ne peut pas vous louper. On est avant d'arriver à Céré, on tombe sur vous. Exactement. Sur votre gauche, nous y serons avec musique, lumière et bandage. Est-ce qu'il est préférable de réserver? Alors, pour le repas du samedi, pour la paella, il est préférable de réserver. Ouais. Je peux vous transmettre mon numéro. Allez-y. 04 68 61 91 47. 61 91 47 par le 04 68, bien sûr. Mais écoutez, je crois qu'on a tout dit, c'est bien. Oui. Et bravo à vous pour toutes ces belles initiatives du côté du Val-Espire et de Céré. Puis on croise les doigts pour que vous ayez plein de monde, ok? Une belle idée sortie. Ça. À bientôt, Dany. Merci à vous, à bientôt.